بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة لا جيو تكنيك روتيير قناتكم جيني سيفيل بالدارجة. إذا اليوم غادي تكون آخر حلقة في لابارتي ديال لي ماتيريو دو شوسي، حيت شفنا فيها لي غراف نون تريتي، لي كاركتيريستيك ديالهم، لا ميزون نيف ديالهم، لي ميلونج تريتي اون ليون انتر كاربونيت، هما شفنا لي تيب ديالهم، لي كاركتيريستيك ديالهم، شفنا لي ليون عاوتاني هيدروكربوني بوحدهم. ان شاء الله لا ميزون نوف ديالهم، لو ستوكاج غادي نشوفوها في الدرس الجاي. ودابا ان شاء الله غادي نشوفوا لي ميلونج تريتي او ليون هيدروليك على بركه الله. دونك لي ميلونج تريتي او ليون هيدروليك، لي ميلونج تريتي او ليون هيدروليك سون يوتيليزي بور لا كونستركسيون اي لونتروتيان دي كوش دو شوسي دي روت دي ايودروم اي دوتر اير دو ترافيك. ils sont constitués d'un mélange de granulats et de liants hydrauliques. Donc, nefs, la définition de le mélange, mais la différence c'est qu'il y a d'abord un liant hydraulique et non pas un liant hydrocarbone. Donc, ça va faire les composants minéraux. Les granulats sont constitués de particules solides du mélange, différents volumes, par exemple sable ou le gravillon. Donc, maintenant, le volume, maintenant, la taille. D'origine différente, comme le gravier, la roche concassée, sous-produit industriel, le laitier de fourneau, ou les déchets, il y a le recyclage. Donc, ça, les mélanges, qu'il y a un mélange entre les composants minéraux, c'est-à-dire des granulats de volume différent, ou bien sûr, il y a un lien hydraulique, ou les déchets, donc les constituants, mabinatum ou ijmer. Dans le liant hydraulique est un liant qui se forme et durcit par réaction chimique avec l'eau et est aussi capable de le faire sous l'eau, ce qu'on nomme l'hydraulicité. Il est utilisé dans la construction ou dans l'industrie routière afin de répartir la pression uniformément sur toute la surface des particules. Donc les caractéristiques recherché dans l'industrie routière. Donc, il présente une cinétique de prise lente, un délai de maniabilité élevé, bien sûr, sur chantier. Le mode de fabrication dans l'industrie routière, il est fabriqué en bétonnerie et aussi obtenu généralement par corbraillage ou mélange de différents matériaux tels que le clinker de ciment, le laitier vitrifié de haut fourneau et ou de cendre volante et un catalyseur ou activant de prise. Donc, rappelle-la. كتقاد التخليطه ديالك في الباتيمون. دونك لوزاج دون لاندستري روتيير، توت لي زابليكاسيون دو سيمون، إلي ديستيني أو تريتمون دي سول أون بلاس، أ لا كونفيكسيون دي غراف إي سابل تريتي أفيك دي ليون هيدروليك، إي دو بيتون كومباكتي روتيير بور أسيس دو شوسي. مي بيان سور كاينة أون ديفيرونس لي غادي نشوفوها إن شاء الله في لي سلايد الجايين. دابا كيما كنا كنشوفو في لي زوطخ couche, il y a les GNT et ce bitumineux. D'abord, c'est un alphabéda. Si on interpose entre le son support la force en général, une couche traitée au ciment, donc si on applique une charge P à cette couche, la transmission de la charge au sol ne se fait pas de la même façon que dans le cas d'une couche granulaire non liée. إلا بغيتو تعرفوا لا كوش غارونير لي نوليي ارجعوا للدرس الاول ديال لا جي ان تي وتعرفوا لو فونكسيونمون ديال لا كوش غارونير نوليي كي كتخدم سو لا شارج. دونك ليكزيستانس دي ليزون انتر لي غران اي لور ملتيبليسيتي موديفي لا ترانسميسيون دو لا شارج. لا كوش ليي فورم انسي اون دال كي بو اتر تري ريجيد دون لو موديل اي كونستون اي انديبوندون دو لا تمبيراتور et de la durée d'application de charge. L'effet de répartition de la charge sur le sol, support, est alors très important. Les contraintes de compression qui sont transmises au sol sont dans ce cas relativement faibles. Donc, comme que tu vois, c'est une couche granulaire traitée au ciment. C'est la force appliquée par la roue, normalement, on approche un essieu de poids lourd. Donc, donc, fa de la zone a dit, elle est en compression. Bien sûr, t'as de la dalle,
اي كونكس اي كون اون تنسيون وهنا يا كوم دي زابوي الاستيك دونك هاد لا شارج كتوصل اون فورمومون ريبارتي لهاد لو سول وهادشي اللي غادي نشرح هنايا سول سيت كونترينت دو تراكسيون اي بريز ان كونت بور لو ديمونسيونمون سو لاكسيون دون شارج اون كوش تريتي اوسيمون دونك ليي انديوي لي فانومين سويفون اون ريبارتيسيون اون فورم دو شارج sur le sol support, donc contrainte de compression sur le sol relativement faible. Apparition de deux types de contraintes au sein de la couche liée. Une contrainte de compression dont la valeur est très inférieure à la résistance en compression du matériau, bien sûr. Une contrainte de traction par flexion dont la valeur peut être élevée qui se manifeste à la base de la couche qui est l'égouttement. Bien sûr, je me suis dit que j'ai une déchirure de la dalle d'Yenna ou de la couche d'Yenna. À chaque passage de la charge, la couche traitée travaille à la traction par flexion au niveau de la fibre inférieure. Donc, je me suis dit que j'ai la fibre inférieure, comme la dalle qui m'a dit contre le bâtiment. Si on répète l'opération un grand nombre de fois, cette couche se fatigue et finit par se fissurer, même si les efforts engendrés ne dépassent pas à chaque fois la contrainte admissible du matériau. Ou dis-moi, le phénomène, les carrosines et les couches de les routes, ou bien la fatigue, sous les efforts répétés ou sous les charges différentes, les économes selfies au niveau duel de temps, au niveau de la charge d'âge, un véhicule léger, un poids lourd chargé. Donc la fatigue, 15 minutes, la fatigue sous les efforts répétés. Le dimensionnement d'une couche traitée au ciment consiste à déterminer son épaisseur pour qu'elle ne se fissure pas sous l'effet des charges répétées. Donc, il convient de déterminer la contrainte à la traction de la couche traitée et s'assurer qu'elle est inférieure à la contrainte de traction admissible du matériau. D'apprécier le comportement à la fatigue de la couche traitée. Une dalle en béton se différencie en particulier d'une couche traitée par sa force de teneur en ciment. Son comportement sous l'action d'une charge P est comparable à celui d'une couche granulaire traitée au ciment, mais dont les caractéristiques mécaniques seraient beaucoup plus élevées. Le dimensionnement consiste donc à calculer l'épaisseur de la dalle pour supporter sans se fissurer ou se rompre la répartition des charges pendant une durée donnée. Donc ceci consiste à déterminer la contrainte du béton à la traction par flexion et s'assurer qu'il est inférieur à la contrainte de traction admissible du béton. Apprécier le comportement à la fatigue de la dalle, donc un simple dimensionnement d'une dalle en béton. D'abord, à d'une chauffe, les types des mélanges traités en liant hydraulique. Le type lourd, la GAC, c'est la grave améliorée au ciment. Qu'un semloa fait la couche de base. Une GVC, grave valorisée au ciment. C'est-à-dire qu'un semloa en couche de base. Un BC ou un BM, c'est le béton de ciment. Le BC, un BM, c'est le béton de mer. Le béton de mer qui est comme une couche de fondation, ou le BC, une couche de base. D'accord? À la baractille, les graves améliorés au ciment, les GAC. Donc, les caractéristiques mécaniques du l'homme. Donc, il y a deux types de graves de ciment définis sous, selon la position du couple ETRT à 90 jours, dans le diagramme suivant. Donc, il y a les GAC1, les GAC2. Au moins, ça dépend, et là, le matériau système. Donc, il y a un matériau M1, mais qu'est-ce qu'on a de la dureté? Je suis M0, un loss 30. M225, la forme 20, propreté, ouais, donc un système lourd pour un TPL 5 ou 6. Un GAC2, où là, le matériau qu'il le constitue, ou un M2, mais qu'est-ce qu'on 35 loss, 30 MTE, etc. Ou les 15 systèmes lourds pour un TPL 3 et 4. Donc, la granulométrie,
les composantes de la GAC1 ou la GAC2, ديال الغرانولو ديالهم دونك هاد او تي ار تي اللي هضرنا عليهم كنشوفوهم سور دي زيبروفيت ا 98% دو لوبتيموم دو لا تونورمون بيان سور سي اون فورمولاسيون كي سي في اون لابوراتوار بحال ها بحال سيل ديال لي زونروبي دونك غندوزو دوزو دابا لي غراف فالوريزي او سيمون لي جي في سي لا غرانولو ديالهم كتشبه لنا الـ UGNC ولا الـ UGNT اللي دو تيب 0.315 ولا 0.40 c'est-à-dire le diamètre maximal est le 2.40 avec un coefficient d'uniformité NCU c'est-à-dire un TD sur T60 il doit être supérieur à 10 pour la propreté un NIP ce qu'on sort mais bien 6 et 12 l'os 40 l'MTE 35 ou bien sûr DIMA qu'on a une petite compensation mais bien sûr de 5 points l'atteinte à l'os plus un MTE ce qu'on est inférieur à 75. Caractéristiques mécaniques. Une étude de labo, l'étude de formulation des capteurs au laboratoire, doit permettre de vérifier qu'avec des dosages de 2 à 4% de ciment, on obtient un indice de CPRR à 7 jours. À 7 jours, 3 jours qui sont le flair, ou 4 jours qui sont immergés flot. Il doit être supérieur à 100 et à ou une résistance à la compression 14 jours, c'est-à-dire 10 jours à l'air ou 4 jours immergés supérieur à 20 bar ou inférieur à 50 bar pour un RC et le conserver 4 jours à l'air avec un RC sur RCI supérieur à 0,5. Donc la réalisation, bien sûr en raison des méthodes de réalisation, il convient de prévoir les dosages minima suivants. Le mélange sur sentier, c'est-à-dire qu'on a 3% en moyenne de ciment. Un mélange en centrale, 2%. Et aussi 15,1% sur chantier. Bien sûr, quand on fait les dosages sur chantier, la bétonnière, maintenant, on a mis la centrale. La centrale, avec la formulation, a été une fraction X le matériau, une fraction Y le matériau, Z le matériau, c'est 2% le ciment, donc c'est 2% le ciment. Mais ce chantier, du coup, le 2%, la formulation dit que le bois est 1% est conseillé sur chantier. Nous avons d'abord le béton de ciment, le PC ou le BM, la granulosa 1 T-max. Inférieur à 40, fabriqué par la classe bien sûr T sur petit T sur grand T, c'est-à-dire le diamètre sphère à l'intérieur qui est bien, ou la dureté pour un TPL6, même un TPL4 ou TPL6, avec le point l'os inférieur à 40, un MTE 35, ou TPL1 ou TPL3, un 45 l'os ou inférieur à 40 l'MTE. Bien sûr, dit maintenant avec la règle de compensation. Pour la propreté des granulats, un peu inférieur à 2%, ou pour les concassés, c'est qu'on inférieur à 5, il a qu'un, maintenant, bien sûr, un VB inférieur à 1 gramme. Le sable est distinct, l'eau, c'est qu'on a le module de finesse, plus ou moins 0,3. Pour la propreté, un E est supérieur à 65, ou la canne est inférieur à 65. A une besoin de vérifier le VB, parce qu'il est inférieur à 1 gramme pour 100 grammes de fil. Ou bien sûr, vaut mieux la dureté. Pour la dureté, il connaît le sable, il est de même origine. Mais les granulats, un effet inférieur à 40. Ou bien sûr, la teneur en ion coquillé, mais quand je fais avec les coquillages sphères, c'est qu'on les fragments de l'homme, il est supérieur, inférieur à 30%. Ad le béton de ciment. Quand on fait un ciment CPG45 avec d'autres ajouts, pour un béton de ciment, on dit qu'on a un dosage de 300 à 330 kg par mètre cube, le mieux c'est le béton maigre, un BM, le qui est sous le PC,
بحال في الباتيمون كنديرو ان بيتون دو بروبروتيان كنديرو ان بيتون ارمي، دابا هنايا في لي روت كنديرو ان بيتون ميغ كنديرو ان بي سي. دونك لو بيتون ميغ سي 130 كيلوغرام بار متر كوب، توا بور 160 لتر ديال الماء. لا ريزيستانس لي كنقلبو عليها بوان تي بي ال 5 تي بي ال 6 بي سي سوبيريور ا 5 ميجا باسكال، بي ام 2 5 ميجا باسكال، تي بي ال 1 تي بي ال 4. Un BC doit être supérieur à 3,5 MPa. Bien sûr, pour le béton mec, comme un chauffe-eau, je vais faire un essai par flexion surprise. Il y a un chauffe-eau, la partie des essais, Inch'Allah. Donc, l'essai est l'induro sur chantier, ou la maniabilité, l'affaissement à la compte d'Abraham, c'est ce qu'on met bien de 5 à 5 cm. C'est ce qu'on sera met bien de 5 et 5 cm. Et là, il y a quelques exemples des structures chaussées de CML, les matériaux traités en liant hydraulique. C'est une GNF2, une GNP, une RS, avec un anti-contaminant. Donc, le sol la couche de fondation a un anti-contaminant. L'équivalent d'un 20 GNP à GVC, ou l'équivalent d'une GNR à une GVC. Et là, Kedelik, une GNP, une GNP, une GVC. Qui m'a fait chauffer la même épaisseur pour la GNF2 ou la même épaisseur pour le GVC ou le GNP. Ou de même, il y a quand c'est une GNA. يمكن لي نحطها على 20 جي ان اف 1 ولا 15 جي ان بي، وعاد ندير اون كوش دو ليزون، عاد ندير دو 4 او بي، عاد ندير لو سي اف. هادشي ان شاء الله غادي نشوفو في الكتالوج ديال ديمونسيونمون في لافان ديال هاد الدرس ديال لاجو تكنيك اوتيا. لان هنايا تشوفوا بانه يمكن لنا نحطو لا جي اس سي 1 اللي شفنا انهم لي كاركتيريستيك ديالها احسن من لا جي اس سي 2. داكشي علاش تلقاو هنايا يلاه 20 ديال لا جي اس سي 1 وهنا 23 ديال جي اس سي 2، نحطهم ديريكتومون سور لي سول، واللي غادي يخدمو لينا كوم كوش دو باس. وعاد غادي ندير اون كوش دغولمون اون ار اس ولا اون سي اف ولا اون 23 جي اس سي 2 عاد ار اس اس سي اف ولا 23 جي اس سي 1. وهنايا غادي ندير 15 15 ديال la GAC2. Ndouzou daba باش نشوفو هنايا كيما قلت لكم لو بيتون ميغ لي بدا هنايا نشوف بدا ان GAC2 15 لا تخدم لنا كوم جوج دو باز، عاد ندير ان بيتون سيمون دو 23 في ليبيسور، اولا ليكيفالون ديال اون GAC2 هو يمكن لي ندير 12 بيتون ميغ و 23 بي سي. هاد لي ستركتور لي شفنا ما كنختارهمش او هازار، كنشوفو لابورتونس ديال لو سول، بيان سور كنشوفو لو ترافيك واش ان تي بي 1 2 3 4 5 6، كنشوفو لي ماتيريو عاوتاني لي كاينين في داك لا زون فين نديرو الطريق، كنشوفو لو كو ديال لو بروجي لي معولين عليه. Une couche en GNT, mais il y a une couche en liant hydrocarboné, mais il y a une couche en liant hydraulique. Donc, à le dimensionnement qui brille une grande réflexion, à le choix exact de la structure. Dans la multitude de les différentes couches, je vais vous une GNT, ma GVC, ma GAC, ma AD, donc, je هنايا كان ايفوكيو واحد لو بوين اللي ديجا شفناه في لا بارتي الاولى، هما لي ديفيرونت ستركتور دو شوسي. سولون لو فونكسيونمون ميكانيك دو لا شوسي اون ديستينغ جينيرالمون لي تخوا ديفيرون تيب دو ستركتور سويفون. كاينه لي شوسي سوبل، شوسي سيمي ريجيد، او بيان سور شوسي ريجيد. ارانا نبداو بشوسي سوبل. Chaussée souple chenouée est une structure de chaussée dans laquelle l'ensemble des couches liées que la constituent sont traitées en liant hydrocarboné. Alors, hydrocarboné, c'est-à-dire les enrobés.
La couche de fondation et ou la couche de base peuvent être constituées de graves non-traités. Bien sûr, qui manque les comme le coup, peut-être la fondation ou la base, c'est-à-dire la couche d'assise, glindera, même DGNT. Dans le cas d'une chaussée neuve à faible trafic, la structure type est illustrée dans la figure l'inch fois devant. Donc, on a la plateforme support. On a la plateforme de une couche de forme. On a une couche de fondation, une couche de base et une couche d'assise. Une couche de surface, les liaisons, na roulement. Avec la structure, la chaussée souple. Il y a imma. A dit qu'on a dit HTML en grave non traité, couche de base ou couche de fondation, maintenant une GNF. On a dit qu'on a une GNP, on a dit l'RS. Ou là, a dit qu'on traite en liant hydrocarbone KM, maintenant une GBF, une GBB, un EP, ou là une GNF, un GB, le P. ولا دي نشوفو دابا هنا كاينه السوبل اللي هي قلنا لا جي ان تي غادي ندير فوق منها ان ار اس ولا ان بي ولا سا ديبون على لو كو او لا تكون ان جي ان تي مثلا ان جي ان اف ان جي بي عاد ان بي او لا ان جي بي اف ان جي بي بي ان بي بي اس جي ولا ان بي نا هي اللي كنسميها بيتومينيز ابيس. Deux d'abord, semi-rigide. Une fois qu'on se met rigide, qu'il m'a dit le rigide, il y a semi-rigide et rigide, on arrive à un aussi maquinatement. Donc, elle comporte une couche de surface bitumineuse reposant sur une assise en matériau traité en liant hydraulique disposé en couche de base ou deux couches base et fondation. Dans le cas d'une chaussée neuve avec trafic, la structure type est illustrée sur la figure. Donc, l'amthila li wrijtkoum qbila huwa la chaussée semi-rigide. Qu'est-ce qu'on a? La couche de surface elle est en matériau bitumineux. La couche de base ou la couche de fondation il a kanet kaykounou avec un liant hydraulique. Il y a une GAC ou une GVC. D'accord? Donc, il y a qui m'a fait chouffou, il a quand l'importance de la plateforme, comme l'importance de le sol, à dire une couche de fondation. Quand ça, je peux m'en dire une couche de fondation, c'est-à-dire sans support, en installer directement la couche de base d'Eli. Les gouttes disent qu'on en matériaux traités en liant hydrocarboné, va dire la couche de surface bitumineuse. On a les exemples. Il y a un grave hydraulique, c'est-à-dire traité liant hydraulique. Il y a la couche bitumineuse, soit un EP, soit un RS. Il y a une couche de fondation grave hydraulique, la couche bitumineuse. Il y a ce qu'on appelle mixte, grave hydraulique, le tête. عاد كندير اون جي بي فوق منها ان بي بي اس جي ان بي او لا غراف هيدروليك عاد نطلع بلا كوش ديالي جي ان تي جي بي 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 اس جي مهم ان بي بي اسكو نابيل اون ستركتور انفيرس وهادو هما بحالهم بحال لي زيكزامبل اللي وريتكم قبيله قبل ما نبداو هاد لابارتي. لابارتي التاليه هي لا شوسي ريجيد اللي هي كامله سيما. Une chaussée rigide est constituée d'un revêtement en béton, de ciment, prévibré ou fluide. En règle générale, une chaussée en béton comporte à partir du sol les couches suivantes. Une couche de fond, une couche de fondation, une couche de roulement en béton, de ciment. Mais je dis, ce qu'on dit une couche de fond, mais on a dit que le cas général, et quand on dit l'importance, on a une couche de fond, quand il y en a, voilà, bhala, les chaussées souples ou les chaussées semi-rigides, on a une couche de fond. Dans la chaussée rigide, la couche de surface et la couche de base sont confondues. Ce qui m'a dit, on a la couche de base, quand on a une couche de surface. Et surface,
Mal base, malas. Dans le cas d'une chaussée neuve avec travic, la couche de fondation n'est pas nécessaire. Là, dans l'embêtant de ciment, peut être ainsi être réalisé directement sur la race de terrassement ou sur la plateforme support de chaussée. Dans une couche, de fondation, ouais, engine hat là dans l'embêtant. Là, quand c'est une chaussée neuve à faible trafic, ou là, quand on dit le sol mizien, je peux mettre la dalle d'IALI en béton directement sur le sol support, c'est-à-dire sur la rase, la plateforme, la rase de terrasse. Les types, on a la dalle californienne, qui m'a caché fouenaya, le béton directement là. La plateforme. Là, on a la dalle goujonnée. Il y a la dalle goujonnée. Il y a Kendiro, les goujons, les intersections, pour améliorer l'encastrement, mais bien les deux éléments, ce qui atteint une bonne rigidité, qui m'a fait la mise en œuvre. Dialogue. Ou bien sûr, Aoula a dit carrément un béton armé. Ou a dit qu'un stimulus surtout, flé d'allage, maintenant des aides de stationnement, les poids lourds, maintenant les usines. Dès maintenant, pour les usines, il faut stationner les camions. On dirait carrément une dalle en béton, qu'on appelle d'allage, en béton armé, directement. L'inconvénient, il y a le béton, comme on a fait, non? Ou le retrait. Donc, le temps de l'hiver ou le circuit, le gel des gels, qui aura le retrait de le béton ou la mise en œuvre bétonique qui est là. Bien sûr, mais le gel des gels, qui rejoint les fissures, c'est-à-dire, وهاد الرسم هذا ولا هاد لافيسيور هادي راه سميتها في كاع لي غراف دون تريتي في لي غراف تريتي بلي ليون هيدروليك. هذا هو لانكونفينيون ديال لي بيتون لي هما لي فيسيور با روتري. ندوزو دابا لا ميزون اون اوفر ديال لا شوسي اون بيتون. كيما كتشوفو راه كتخدم بحالها بحال لي زونروبي، حتى هي عندها بحال الفينيشر ديالها. دونك القدام ديالها qui rouen donc les graves traités au ciment ou alors qui rejlina haka le tapis jusqu'à Tatena une chaussée bétonnée avec un uni le ouamzian bserha ou kima kanchufonaya rabaina une chaussée liya rigide. Douze d'abord واحد لا سوليسيون اللي مؤخرا ولات كتستعمل، اللي هي لو تريتمون اون بلاص ديال افيك داك لو ماتيريو افيك لونيون هيدروليك روتيي. ما تشوفو هادي لا فوتو ديال لي بوندور ديال ليون كتريبوندا كيدخل هذا سي لو مالاكسور كيمالاكسي مزيان داك لي ماتيريو. ما كتشوفو هنايا كتكون répondant dans le matériau. Je connais qui est comme la différence mais bien sûr on a ya morma des le malaxeur a des 12 bien sûr l'arrosage compactage pour l'idée had la méthode de LHR mazal yalla kaynin qui jarbouha qui m'a pas goulo les chantiers ou khedmat mzyan mazal ma kaynish bzaf les entreprises les qui khedmouha. إذا كنتو انتريسي بهاد لا سوليسيون يمكن لي ندير ليكم عليها واحد الفيديو مطول لو طون تاعنا نقلب على لا دوكيومونطاسيون مزيان عليها، وان شاء الله الا كنتو انتريسي بها ندير لكم فيديو ابار عليها. اذا الى هنا كنساليو لا بارتي ديال لي ماتيريو شوسي، حاولت انني نديطيها مزيان داكشي علاش غتلقاو لي فيديو طوال شوية
مي واخا طوال ولا ني راهم عامرين بمعلومات اللي غادي يفوتوكم سوا في حياتكم العملية، سوا في الشونتيي، سوا كنتي في بيرو ديتيود، سوا كنتي في لابوراتوار. دونك كنحاول نعطي لو ماكسيموم دانفورماسيون باش يستافد لا ماجوريتي ديال الناس. اذا انايا هنايا ساليت هاد لابارتي، دابا بقات الخدمة عليكم. تفرجوا مزيان، ما فهمتوش شي حاجة سولوني في كومنتير، خليو لايك، اشتركوا في القناة إلا ما كنتوش مشتركين، ونتلاقاو إن شاء الله في لابارتي الجاية. نشوفكم بخير وعلى خير. السلام عليكم.